aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur comment camoufler ses cernes et comment faire son teint tout simplement. Donc c'est vrai qu'au niveau des cernes ça m'avait été à plusieurs reprises demandé, donc voilà, je voulais vous donner et partager avec vous mes petites astuces, surtout en ce moment on sort du nouvel an donc on est un petit peu claqué. Donc les cernes se voient un petit peu, donc j'ai envie de dire c'est le meilleur moment pour vous montrer. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Donc déjà j'ai hydraté ma peau, donc j'ai mis ma base, ma crème de jour comme tous les jours. Et une autre base que je vais appliquer qui est plutôt pas mal pour justement flouter un petit peu toutes ces taches rouges de pigmentation. Je vais utiliser la base donc HD Primer de chez Make Up For Ever. Donc celle-ci c'est la base verte qui aide justement à contrôler les rougeurs. Donc pour ça, je vais mettre tout simplement deux pompes. Alors ces bases sont vraiment très bien parce qu'elles aident vraiment à la tenue, à la bonne tenue du fond de teint toute la journée. En l'occurrence, moi qui ai une peau grasse, ça évite que ça donne ce côté un peu on va dire, écaillé au fil de la journée par rapport à l'exsébum. Donc celle-là joue vraiment bien son rôle. Ensuite, on va commencer donc par neutraliser nos cernes. Donc pour neutraliser les cernes, donc de côté un peu bleuté, violacé, on va utiliser donc ce fard. Donc c'est un fard crème, ça s'appelle la crème de camouflage de chez Make Up For Ever. Donc celle-ci dans la couleur orange. Vous l'avez également en couleur verte, qui pour la même chose que pour la base, aide justement à camoufler tout ce qui est rougeur. En l'occurrence, la partie orange, enfin la base, la crème de camouflage orange, elle aide à neutraliser justement toutes les couleurs un peu bleues, violacées. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir appliquer directement au doigt. Donc on réchauffe un peu la matière. Donc on y va doucement parce que c'est quelque chose d'assez pigmenté. C'est simple d'en mettre deux trous. Et donc pour ça, vous voyez, j'en ai juste pris un tout petit peu. Je vais chauffer la matière avec mes deux doigts. Et je vais l'appliquer au niveau de mes cernes. Donc, ça paraît un peu bizarre pour l'instant, donc ce côté orange, mais bien entendu, on va pas le laisser comme ça et on va justement le camoufler avec l'anti-cerne par la suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc, ça donne un petit côté orangé, genre j'ai vraiment pas bien dormi, mais je vous rassure, ça restera pas comme ça. Ensuite, je vais prendre un petit Kleenex. Ensuite, on va tout simplement appliquer donc l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je suis restée pareil dans Make Up For Ever aussi. Et je vais utiliser donc l'anti-cerne Full Cover, voilà, de chez Make Up For Ever. Celui-ci, c'est la teinte 6, qui est une teinte relativement claire. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, crème de camouflage extrême, qui est waterproof et qui est vraiment top, par exemple, si souvent ils l'utilisent pour camoufler des tatouages aussi. Donc, pour vous dire un petit peu la puissance de ces teintes qui servent. Donc après avoir appliqué donc la crème de camouflage orange, vous allez donc par petites touches, petits points, en mettre au niveau de vos cernes. Donc, voilà, on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et donc ensuite, on va tout simplement l'appliquer au doigt. Tapoter, ça évite justement de déplacer la matière au niveau de la crème orangée qu'on a mis juste avant. Et vous voyez, donc vraiment ce côté bleuté a complètement disparu. Et voilà, ça dure 3 secondes et c'est hyper efficace. Donc petite astuce aussi, dans le cas où vous auriez des poches aussi, vous mettez quelques minutes une cuillère à café dans le congélateur. Et vous appliquez la partie bombée au niveau de vos poches et vous verrez, ça marche super bien. Alors, il me manque un petit peu de ce côté-là. Après, de cette crème de camouflage, vous avez plusieurs teintes. Hein. Après, vous choisissez par rapport à la couleur de votre peau. Vous en avez des beaucoup plus foncés aussi, comme des beaucoup plus clairs. Hein. Je crois que la plus claire, c'est la porcelaine. Et après, voilà, vous choisissez vraiment par rapport à la couleur de votre peau. Donc, on n'oublie pas de mettre vraiment en coin interne aussi. C'est vrai que les cernes peuvent justement souvent remonter. Et on fait le coin externe aussi de l'œil, qui est souvent un peu violacé. Et voilà ce que
ça donne. Donc déjà, j'ai meilleure mine. Donc voilà au niveau de vos cernes. Ensuite, on va faire tout simplement le teint. Pour le teint, j'avais envie d'utiliser aujourd'hui le fond de teint, le Prolongwear de chez MAC. Celui-ci, c'est la couleur NC20. C'est vrai qu'on est un petit peu pas lourd en ce moment avec l'hiver. Et pour l'appliquer, j'ai utilisé le pinceau 104, donc un kabuki plat de chez Zoeva. Donc il est pas très dense et j'aime beaucoup cette application avec ce pinceau parce qu'elle est assez légère et c'est plutôt pas mal. Donc je mets deux pompes. Je commence par tapoter au niveau des joues. Et après, on applique notre fond de teint comme d'habitude. Donc une fois qu'on a fait tout ça, donc on va tout simplement poudrer donc l'anti-cerne et le teint. Pour ça, ma poudre chouchou, comme vous avez l'habitude, qui est la poudre Bobbi Brown, la poudre compacte impalpable, la Pale Yellow. Donc poudre un petit peu qui ressemble à la banana powder, donc qui est un petit peu dans les tons un peu jaunes. Et donc voilà, comme vous avez vu, je l'ai vraiment bien creusée et j'adore cette poudre. Elle est vraiment très très fine et donne pas ce côté kaki que vous pouvez avoir sous l'œil. Pour l'appliquer, toujours mon pinceau 105 de chez Zoeva, un petit pinceau à bourron que j'aime pour l'application. Et donc on tapote directement sur l'anti-cerne. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, j'estompe un petit peu. Donc voilà. Pour l'anti-cerne, ensuite pour poudrer donc le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre de chez MAC qui est la Studio Fix et celle-ci c'est la couleur NC30. Donc, comme ça. Et après vous avez pareil toutes les coloris, donc celle-ci je l'aime beaucoup aussi parce qu'elle est vraiment très fine et vraiment elle parfait vraiment le maquillage. Pour l'appliquer, j'ai utilisé le pinceau de chez Revolution Makeup, le F104, qui est un gros pinceau, voyez, poudre, un petit peu plat, et qui est juste parfait pour poudrer un peu tout ça. Donc. Donc voilà pour le teint. Ensuite, c'est clairement hyper plat, donc on va réchauffer tout ça, et donc pour ça, on va utiliser un bronzer. Pour le bronzer, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais je l'adore, il est vraiment trop bien. C'est le Bahama Mama de chez The Balm. C'est un bronzer qui est juste top. Franchement, je l'adore, il est vraiment super beau. Il est très subtil, ça ne sert à rien d'en mettre 3 tonnes non plus. Et pour l'appliquer, toujours mon pinceau 127 de chez Zoeva, donc pinceau biseauté. Après, vous utilisez le pinceau qui vous convient mieux. Là, on va tout simplement réchauffer un petit peu tout ça. Donc en suivant, vous voyez, vous suivez la ligne du dessus de l'oreille, là juste ici. Et c'est pour ça que j'aime ce côté biseauté du pinceau et vous remontez en estompant. Vous voyez, donc ça vous définit bien vos pommettes en plus et ça réchauffe vraiment votre teint. Donc voilà pour le teint. Écoutez, c'est une vidéo assez simple et rapide. Maintenant, c'est vrai que ça vous permet un petit peu de vous montrer comment justement camoufler ses cernes, faire son teint relativement rapidement et justement pour pouvoir avoir un teint effet bonne mine, surtout après les fêtes où on est bien fatigué, il faut rattaquer le boulot. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai donc tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Si vous souhaitez me suivre et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire.
Je vous invite également à partager cette vidéo, donc parce que bah, plus on est de fous et plus on rit. Et bien pour ceux qui ne l'ont pas fait aussi, je vous invite également à nous rejoindre sur ma page Facebook pour laquelle on poste des make-up toutes et tous les jours, hein, des idées, des bons plans, et c'est plutôt très convivial et très simple. Voilà, il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit sur ce groupe, et c'est ce que je voulais, que je cherchais. Donc je vous invite à le faire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur Twitter et sur Snapchat. En attendant de se retrouver, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.